ravi de vous retrouver pour un nouveau tuto guitare. Vous allez apprendre à jouer aujourd'hui Yaketti X. Enfin, il faudrait plutôt l'appeler Yaketti Sax, puisqu'à l'origine, c'est un morceau instrumental au saxophone. Il date de 1963, mais oui, vous le connaissez, puisque c'est le thème du Benny Hill Show. Donc, beaucoup de notes, très très entraînant, une rythmique rapide, de la virtuosité, mais de l'humour, en fait, tout ce que j'aime. Et ceci n'a pas échappé aux oreilles de l'excellent Chet Atkins, qui a fait sa version guitare. La version que je vous propose de travailler aujourd'hui, c'est une version de niveau intermédiaire. Et je vous assure que vous allez en venir à bout, puisque cette version, je l'ai trouvée sur l'application TomPlay. Il y a deux versions, une version niveau avancé, une version niveau intermédiaire. En fait, j'ai préféré celle niveau intermédiaire parce qu'elle est plus articulée. Les notes se détachent mieux et puis, bon, bah, à mon goût, c'est la meilleure. Donc, ça tombe bien, je vais vous apprendre à la jouer. Je vais vous montrer les différents points, peut-être les plus complexes. Comme ça, on va démêler les nœuds et vous allez vous amuser. La première des choses quand vous apprenez à jouer un solo, c'est de comprendre les accords. Alors certains vont dire, oui, mais j'ai envie de jouer juste le solo, je ne veux pas jouer les accords. Ça, c'est pas possible, les gars. Il faut comprendre la rythmique pour être capable d'assimiler de la manière la plus rapide et la plus efficace les notes de la mélodie. Alors, ça, c'est un thème country, donc c'est pas très compliqué. On a trois accords. On a le sol, le ré 7, on revient sur le sol, le do, le sol, ré, sol. Alors, qu'est-ce qu'on joue là-dessus? Bien évidemment, on va jouer sol majeur pentatonique. On va me dire, ouais, je la connais pas, c'est quelle gamme celle-là? Si vous la connaissez. Sol majeur pentatonique, en fait, c'est les mêmes notes que Mi mineur pentatonique. Ah, bah tout de suite, ça va mieux. Oui, c'est la gamme relative majeure ou relative mineure. Et donc, là, la majorité du thème repose là-dessus. Sachant que vous jouez la gamme de sol majeur pentatonique sur un sol majeur, vous comprenez beaucoup mieux cette première note, qui est un bend du fa vers le sol, à la sixième case, et vous allez tirer cette première note d'un ton, et vous allez le faire de manière très progressive. Juste après, troisième case, cinquième, troisième. Et ça, vous allez en fait le faire avec deux doigts, donc deux notes par corde. C'est assez simple, la quatrième case sur la corde de sol avec le doigt du milieu. Donc vous allez en fait pousser la note, mais vous allez l'arrêter, vous n'allez pas la laisser durer, vous n'allez pas faire... Parce que sinon elles vont résonner ensemble et ça ne va pas. Il faut qu'il y ait un petit côté staccato. Donc vous allez la monter et ensuite l'arrêter. Et vous voyez qu'en fait c'est avec le pouce, je vais étouffer la corde. Donc je fais un pull-off pour être plus fluide, mais vous pouvez le jouer en aller-retour. Donc 5, 3, 5, 3. Attention, c'est pas un pull-off, c'est une syncope. Donc c'est-à-dire que la note va durer 4, 2. Et à titre personnel, je me suis un petit peu inspiré de la version avancée puisque j'utilise la corde à vide. Je vais faire... Donc je vais rajouter en fait un pull-off de la quatrième, après la quatrième case. Je vais faire juste un petit pull-off. Ça, c'est la phrase principale et il faut la travailler jusqu'à temps que ça rentre. Une fois que vous l'avez mémorisé, eh bien vous passez au phrasé suivant qui reprend le début. Là, on est sur le ré 7. Vous remarquez qu'on prend les notes de la diade. Donc le ré et le fa dièse, la tierce majeure. Et là, on est vraiment sur la triade de ré. On revient sur le sol, et c'est vraiment bah, la gamme de sol majeur avec la septième majeure. Donc. Et là, vous allez faire en fait une attaque médiator,
vous allez frapper avec le doigt numéro 2, donc le doigt du milieu, la troisième case. Comme ceci, attaque vers le bas, deuxième case. Et on frappe la troisième case. Deuxième case vers le bas. Hammer round, troisième case. Et ensuite, je vais faire bas-haut. Et ça, je vais le faire trois fois. 1, 2, 3, 5, 4. On va faire la même chose à la cinquième case. Non, on va le faire avec le doigt du milieu. Alors ça, c'était peut-être le seul truc qui, au début, m'a fait ralentir. 4, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 3, 5, 3, 6, 3. Donc pour moi, c'était pas logique. J'aurais préféré faire... Mais malheureusement, eh bien, sur le deuxième groupe de double croche, ça va être que deux fois la cinquième case. 4, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 3, 5, 3, 6, 3. Là, on est sur un de mes passages préférés. Quand on revient sur le sol, eh bien, on a à la douzième case. Et il y a énormément d'humour dans ce petit slide. Très dans l'esprit Roy Clark, pour ceux qui connaissent. Donc, la difficulté, ça va être de passer, d'enchaîner le... On est à la troisième case et on doit aller à la douzième sans se rater. On va l'attaquer cette case, mais ensuite on va slider. Vous pouvez les compter, ça vous aidera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on reste avec ce doigt numéro 3 qui va slider tout le temps. On va faire simplement une attaque et ensuite, en appuyant bien, la note elle va durer. Toujours avec le doigt numéro 3, la douzième case. Vous pouvez faire un demi-glaré si vous préférez. Ensuite, doigt numéro 3, deuxième case. Le doigt numéro 1 va rester sur la dixième case. Vous pouvez laisser le doigt pour avoir des cordes qui résonnent. Ou alors le lever. Avant d'aller plus loin dans le tuto et de vous montrer comment on joue la suite, je vous rappelle que les tablatures, eh bien, vous pouvez les avoir sur l'application Templay. Templay, c'est une application de tablature interactive qui vous permet d'apprendre à jouer tout un tas de morceaux dans des styles différents. Sur Templay, tout est très articulé. Vous avez des morceaux niveau intermédiaire, des morceaux niveau facile, des morceaux niveau très facile et archi débutant. Et ils sont à chaque fois arrangés avec des backing tracks. Donc vous pouvez isoler la backing track, jouer juste avec, ou simplement jouer avec le thème qui défile. Vous pouvez imprimer les tablatures, bien entendu, les exporter en PDF. Vous ouvrez la description de cette vidéo, vous trouverez le code promo RouGuitare et puis un lien pour y accéder. Alors, il n'y a pas que ce morceau, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. On arrive sur mon passage préféré, on est en Do majeur. Et on va évidemment jouer un Do, donc tout tombe véritablement sur la triade. Donc on va essayer d'avoir cette 13e case à partir de la 11e. Vous allez pousser avec trois doigts sur la même corde pour avoir un bend. Le pouce va venir en support en fait pour avoir un meilleur contrôle du manche et des cordes. Alors ça va très très vite, hein. Vous n'avez pas le temps de rester longtemps, c'est pas un... On va vouloir revenir ensuite à la 7e case, de la 7e à la 6e. Donc il faut vraiment le faire rapidement. La note est très courte. Septième case. 6, 7, 6, 7. Petit doigt ou doigt numéro 3 sur la corde de si. 10, 8, 7, 8. Et le même motif rythmique, donc croche, double croche. 1 et 2. C'est assez simple si vous le travaillez lentement. Si vous essayez de le précipiter, ça ne va pas fonctionner. Donc toujours ce 10, 8, 7, 8, 7, 8. Là, vous pouvez choisir le petit doigt. Donc c'est à chaque fois des chromatismes sur trois cases. Vous n'avez pas besoin de quatre doigts. Ensuite, 10, 7, 8, 9, 10, 8, 8, 10, 8, 9. Très basique.
Et donc, sur ce passage-là, je ne le joue pas de cette manière-là. Le sol, à la huitième case, personnellement, voilà, je le joue ici parce que j'ai envie de retrouver le même changement de corde. Donc je préfère cette huitième case la mettre sur la douzième de la corde de sol, c'est plus logique. Ce passage-là, c'est le passage des triades. Donc vous allez reconnaître ce Do majeur sur trois cordes, 8, 8, 9. Et ensuite, vous allez faire un demi-barré à la huitième case, 8, 8, 8, 8, 8. Donc assez simple. Pour ma part, je ne suis pas 100% satisfait de cette version-là. Donc, je le joue avec 4 cordes et je vais faire un chicken picking. Donc, je vais laisser le médiator faire un sweeping sur les 3 premières notes. Donc, ça va faire 10, 9, 8. Et la 8e, en fait, je vais l'accrocher avec le doigt du milieu. Donc, je vais faire bas, 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 haut. Et ce haut, c'est avec ce doigt du milieu. Je laisse, en fait, le médiator très doucement brosser les cordes. Le doigt du milieu, il a juste à s'ouvrir un petit peu et accrocher la première corde. Et je vais faire en fait la dixième case ensuite. Enfin, la dernière phrase, pour moi, c'est l'une des plus compliquées à mémoriser. Là, on est en Do, donc Do blues, hein, Do majeur. 10, 7, 8, 9, 8. Et au niveau du rythme, ça fait ta, 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 ta. Sur le deuxième, la deuxième partie, eh bien, ça va être mesure 26, 8, 8, 5, 8, 5, 5. Le passage que je vais appeler chicken picking, qui est en Do, on va jouer le Do ici. Alors ce que je fais en fait, c'est que j'étouffe avec la main côté chevalet les cordes. Je vais attaquer avec le médiator et je vais faire un aller-retour. Maintenant, cette version-là, vous n'avez même pas besoin de faire ça. Vous allez simplement, avec le poing, faire un petit accent. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et bien, le « et », en fait, il va être pris avec le doigt du milieu. Vous allez le slapper un petit peu, donc pour avoir ce son, eh bien, de « chicken », puisque c'est du « chicken picking ». 1, 2, 3. Donc, pour avoir plus de dynamique, moi, en fait, je vais relâcher la corde. Donc, je fais un aller-retour, bas, haut, bas. Mais le « haut », en fait, je fais un étouffé. Donc, je touche la corde, mais j'appuie pas sur la frette. Ensuite, donc 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5. Le doigt du milieu, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 3, 5, 5. Vous changez de position là, on est avec le doigt numéro 1 puisqu'on va avoir la 8e case. 5, 5, 5, 8, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 8, 8, 8, 8. Et enfin, 5, 7, 5, 8, 7. 5, 6, 8, 5, 7, 8, 8, 5, 8, 5, 5. Cette phrase, il faut juste apprendre le rythme. 1, et 2, et 3, 4. 1, et 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vous rappelle que les tablatures, vous pouvez y accéder sur le site de Tomplay. Tomplay, eh bien, ça vous permet de lire des partitions interactives, de ralentir la vitesse de lecture, d'isoler certains passages, peut-être s'ils sont trop difficiles, de rajouter une backing track ou d'isoler une backing track, d'imprimer les tablatures et plein d'autres choses, ceci avec des centaines de morceaux qui sont arrangés pour des guitaristes de tout niveau. C'est-à-dire que vous n'avez pas juste la version officielle, vous avez des versions pour les débutants, pour les intermédiaires, pour des niveaux avancés. Vous allez sur Tomplay, alors ça peut être une application pour smartphone, pour tablette,
sur un ordinateur portable ou un ordinateur de table, que sais-je, ça fonctionne. Et puis vous vous créez un compte avec la chaîne Roue Guitare qui est partenaire de Tomplay, eh bien vous avez 30% de réduction sur l'abonnement annuel. Donc ce n'est pas juste ce morceau auquel vous avez accès, c'est des centaines de morceaux guitare qui sont arrangés pour vous à votre niveau. Donc vous ouvrez la description, vous avez un lien. Si ce tuto vous a plu et que vous avez appris quelque chose, eh bien faites-le moi savoir, laissez-moi un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Et puis si vous allez faire un tour sur l'application Tomplay, vous savez quoi, vous pouvez juste me dire le morceau qui vous plairait et je ferai peut-être le tutoriel. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.